viens m'apporter un dossier pour aujourd'hui. Hein. Mais le dossier est vierge. Mmh. Pas comme toi. Même le titre de votre dossier reste à trouver. C'est lui, on t'avait dit que tu le ferais hier soir. Désolé, j'étais concentré pour le faire, mais finalement, comme tous les soirs... Il veut dire qu'il l'a écrit à la main. Quoi, il y avait plus d'encre, c'est ça? Oh si... Il est con, quoi. On a une série qui soulève une question existentielle. Que fait le Père Noël tout le reste de l'année? Alors, on suit les tribulations d'un octogénaire, kryptonisé... Qui parle à ses lutins, à ses reines... Et à sa femme, la Mère Noël? Qu'on oublie toujours. Qui doit se coltiner toute l'année. Et rappelons qu'il ne travaille qu'un seul soir par an. Et que c'est les lutins qui se tapent tout le boulot. Et les reines qui apportent les cadeaux en volant. Pendant que lui est affalé dans son traîneau. Sa femme le traite de feignant. On voit Santa Claus partir à Haïti pour les vacances, 364 jours, surfer dans un canoë, au camping, dans un club échangiste, du sudoku... Bienvenue au moment des fêtes. Ah. Alors c'est une défaite? Des fêtes de Noël, oui. Bon alors ne faites surtout pas attention à mon partenaire. Il est bipolaire. C'est-à-dire que d'un coup il va vous parler gentiment, être d'humeur joyeuse... Et puis d'un coup il va vous agresser frénétiquement. Ne lui en tenez pas rigueur, merci. J'ai pas compris. C'est quel des deux, là? Bah, c'est lui. Ah. Bon, et votre projet, c'est quoi? Ben, projet, on n'a pas de projet. Le psy, c'est l'étage en dessous. Ah merde, on s'est gouré. Mais je te l'avais dit. Mais tu m'as dit, jamais 203, on va au troisième, c'était au deuxième, je te l'avais dit. J'ai jamais dit ça. On voit un chat qui fait du skate. Avec des roulettes. Un chat sur des roulettes. C'est sur le célèbre site Chatroulette. On tourne une petite roue et un visage s'affiche. On est obligé de sortir avec la personne sur qui l'on tombe. Même si elle nous plaît pas. On a mélangé les sirènes avec les tons. Le mec qui lance la roue, il a fléchi à deux fois. Hein. Il prend son élan. Ah bon? Parce qu'il y a des tons et des élans aussi. Bon bah, laisse béton, viens on y retourne. Et hier je me suis empoché une petite suédoise là. 21 sur 20, super. Bonne pioche. Non, astigmate. Batterie. C'est une série sur les organes génitaux, ça s'appelle À la recherche du vagin suprême. Sauvage. Ah, je sais plus. Toute sa vie, Petit Pénis part à la recherche du vagin sucré avec ses amis les écureuils. Pourquoi les écureuils? Parce que ça grignote des glands. Et au milieu de leur périple, ils entrent dans une boîte de Viagra. Et alors là... C'est le drame. C'est nul. Pourtant, il y avait du level, on s'était creusé. Ah, l'idée était partie. Danger.